Salut tout le monde, ici Super Canon, aussi appelé Sei, on se retrouve pour l'épisode numéro 11 de Yu-Gi-Oh! 5 Day Over the Next Up. Ajout de paramètres tag, duel à paramètres de l'utilisateur, voilà, et ajout de modification de duel moto à paramètres de l'utilisateur. Ajout de CPU tag dim, tag duel à duel libre. Un nouveau partenaire disponible, et une sauvegarde. Donc le nouveau partenaire c'est Misaki, c'est ça? C'est ça. Ah non, c'est Tolu. Tolu Misaki, hein. On voit tout de suite que Misaki est meilleur que Tolu. Bref. Modification du duel moto. Et donc on peut changer la moto. On a toujours une moto qui pue le caca. Mais ça, cette moto est une moto complètement modifiable. Donc voilà. On va avoir du pognon pour s'acheter des trucs pour modifier sa moto. Ça donne mal à la tête. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Oui, oui, je joue à la manette à un jeu GBA. Un jeu DS. Un jeu GBA. Il est beau un jeu GBA. Pour un jeu GBA. Si ce serait un jeu GBA, ce serait pas mal. Quoique, il y a des jeux GBA qui sont très beaux. Hein. Bon. Par contre, j'aimerais changer de fringue. Je vais quand même pas utiliser le code pour avoir toutes les fringues illimitées. Non, mais il a tellement le charisme, le perso. Je l'ai pas dit, hein, mais Hugo, charisme sur 20. Par contre, il a une sale gueule. Pourquoi cette mine en jouer? Tu as trouvé une princesse ou quelque chose dans le genre? Je ne sais pas, mais... Quoi, Tolu encore voisin? Mais vous devez avoir un genre de connexion étrange. Et ta duel moto, c'est une très bonne nouvelle. On a réparé une duel moto en une journée. Hein. T'emballes pas trop vite. C'est important de se souvenir que la duel moto, c'est dangereux. Alors, oui, j'avais dit que je changerais de deck. Je l'ai pas fait. Pas beau, hein, ça. C'est beau, ça, plutôt. Le jour suivant, je le ferai au prochain épisode si j'oublie pas. Maintenant, j'ai dit l'épisode 12, on est épisode 11. Je suis con, moi aussi. Tu t'es levé tôt aujourd'hui, ça tombe bien, j'ai quelque chose à te donner. Des fringues? Une carte. Des fringues. Une carte. Tu as reçu tenue pour piloter. J'ai gagné, c'était des fringues. J'avais putain de raison. Une combinaison de pilote, tu en auras besoin si tu veux te montrer sur une nouvelle moto, n'est-ce pas? Bah oui, mec. Ah oui, le mec il va pas faire de la duel moto en habillé comme un cowboy, hein, ça le ferait pas du tout. Hein. Il y aurait un problème de charisme là. Je t'ai fait un peu la leçon hier, mais n'oublie pas que je suis de ton côté. Fais pour le mieux. Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais tes amis. Ouais, l'esprit shonen, ma gueule. L'esprit shonen. Bon, est-ce qu'on peut changer de fringue? J'ai la. Mais il était que ce gars de le mini ne se vient pas dans le monistère, hein, c'est bon. Changer d'image. Est-ce que je peux changer mes fringues? Je resterai un cowboy toute ma vie, mais mon petit couleur rouge. Putain, j'ai l'air de. Je pue la merde, putain. Ah, si je veux des points, il faut que je tabasse des gens pif dans la rue. Ouais, pour s'acheter des fringues, il faut que je tabasse des gens. C'est incroyable. T'imagines ça dans la vraie vie? Si ce serait dans le monde de Yu-Gi-Oh! Tu veux des fringues? Eh ben, tu tabasses des gens. D'accord. Ah, tu m'as emprunté des points, ouais, ok. Alors ça, c'est des cartes alternatives, parce que certaines cartes ont des versions alternatives. Bon, on va éviter de s'habiller comme un clodo. Hein. Ah ouais, il y a un gros changement, moi, je dis. On va passer du couleur clodo à couleur gros clodo. Ouais, il faut des points, il faut tabasser des... Waouh, tu peux en choper par terre, on amène le sol. Tu vois, le vrai clodo, hein. Le pur clodo de la vie, quoi. Bon, toi, tu vas me donner tes fringues, t'as l'air d'un clodo, mais il faut des fringues. Le mec, ça commence direct, hein. Le racket, tout ça. Bon, bah, on va aller chez toi, Lou. Salut, la compagnie créole. Oh, Hugo, aujourd'hui, c'est ta première balade sur ta duel moto. On va s'amuser. Ouais. Oh, tu as déjà une combinaison de moto. C'est un cadeau de Klaus. Il a un sacré style, ouais, un sacré style des années 80, mon gars. Un petit cadeau pour un petit enfant. C'est très drôle. Sachant que je suis sans doute son petit-fils. Bah, génial ton jeu de mots. Maintenant, en avant pour un tour d'essai. Allons du côté du col de la montagne.
Au fait, le magasin de Duel Moto est rouvert aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Ouais. Ah, tu veux dire qu'on aurait pu attendre jusqu'à aujourd'hui et juste acheter les pièces. Les pièces. Je me demande pourquoi on s'est tué au travail hier. On a travaillé dur et trouvé les pièces. On a travaillé ensemble et fini la Duel Moto. Du coup, on va vraiment en profiter et la Duel Moto, on sera heureuse elle aussi. Elle parle la Duel Moto. Oh mon dieu, j'entends des voix. Et c'est pas mon estomac. Tu as raison, Misaki. On a travaillé dur pour elle. Ça prouve notre motivation. Et je t'avais jamais vu aussi heureux, Misaki. Ouh. Ouh. Bon, allons au col de la montagne. Au col de l'utérus. Ça commence direct. Les emmerdes. Oui, Hugo, il est temps d'essayer ta Duel Moto. Oh, et tu ne connais pas les règles de Duel Turbo, non? Tu veux que je t'explique ça rapidement? Bon, pour les gens, oui. Même si je sais ce que c'est. Bon, je vais te les expliquer, alors. Écoute bien. À la base, c'est moi qui te les expliquais, Tolu. Je sais, mais ça va être plus rapide si j'explique, non? Ou tu veux t'en occuper, Misaki? D'accord, Tolu, vas-y. Ok, c'est parti. Tu as 8000 points de vie. Au début, tu pioches 5 cartes. C'est la même chose qu'un duel normal. Le terrain est de la même taille, sauf qu'il est contrôlé par monde de vitesse 2. Or, au tout début des duels turbo, ce n'était pas le monde de vitesse 2, c'était le monde de vitesse tout court. Mais le monde de vitesse 2 a apporté un lot de nouveaux effets, en fait. Et aussi la partie intéressante pour les duels turbo. Grâce aux effets de monde vitesse 2, tu peux activer des cartes magiques de vitesse. Voilà, c'est ça qui change. Mais les cartes pièges et les monstres restent pareils. Sauf si tu peux avoir des cartes pièges spécialisées au duel turbo qui nous sont obtensibles plutôt. Le problème étant que tu ne peux pas utiliser des cartes magiques. Ton nombre de compteurs vitesse détermine ta capacité à activer les cartes magiques de vitesse. Pour utiliser de puissantes cartes magiques de vitesse, ta duel moto doit rouler à une certaine vitesse. Tu gagneras des compteurs vitesse à chaque tour ou grâce à certains effets. De plus, si tu montres tes cartes de magie de vitesse dans ta main et enlève des compteurs de vitesse, tu pourras activer certains effets. Voilà. Retirer 4 compteurs de vitesse inflige 800 points de vie à ton adversaire. Retirez-en 8 pour piocher une carte de ton deck. Retirez-en 10 pour détruire une carte sur le terrain. Donc tu vois, ce genre de truc. Ce n'était pas ça avant. Ça a été ajouté dans l'arc doublé RGP, je crois. Parce qu'avant, les duels turbo, c'était pas ça. Hein. Il n'y a pas quelque chose que tu ne comprends pas. Si il y a quelque chose que tu ne comprends pas demain, je te le réexpliquerai. Mais rien ne vaut la pratique à la théorie. On peut commencer si tu veux. On va. Je crois qu'on va faire un duel contre Tolu si je dis pas de conneries. Et on peut acheter des pièces. Et c'est des magiciens des ténèbres qui font ça. Hein. Bon, pour le moment, ils ne vendent que la chose. Donc, bon, vu la thune que j'ai. Eh, moi j'achète tout chez un voleur. Bonjour, j'aimerais votre châssis. Ok. En avant. Alors, absorbe les chocs contre le châssis qui protège la moto D durant. Ouais, donc en gros, ça c'est un bouclier. Parce que dans ce jeu, oui, tu peux avoir des boucliers. Bon, comme on est plein aux as. Hop. Mais ça. Quoi ça? Ouais, alors vous voyez, c'est des Wii Shop. Hein. Ça se voit que ça s'appelait des Dewi. Alors, ça me fait étonnamment penser à. Bewill, putain, cette merde infâme. Alors, je sais pas si vous connaissez un Bewill, hein. c'est un spin-off de Beyblade. Mais parce que un Yu-Gi-Oh! Beyblade de Digimon, Pokémon, voilà, c'est mon enfance. Hein. Misaki, reviens les mouvements de la Duel Moto de Hugo. Compris, hein, ne vous fermez les yeux. Je ne vais pas fermer les yeux une seule fraction de seconde. Tu sais cligner des yeux, tu peux cligner des yeux, tu sais. Ouais, parce que là, la cornée. Mode duel. Alors. Oh là là, c'est une tech. C'est parti. Par mon deck. J'adore, il est en mode j'ai un 10 de duel. Mais non. C'est un duel plus beau. Ah ouais, merde. Oh que le con. Oh que le con. Bon, le premier duel, j'ai pas modifié le deck. C'est le deck de base. Donc il y a 41 cartes de base. Monde de vitesse 2. Dole. Très bien, à moi. Et un compteur vitesse. J'ai un deck. Faudrait que je recherche mon deck. Un truc qui était pas mal. Pour. Alors, ça peut qu'on soit se laver. Hein. Tout simplement parce que c'est le deck de base. Hein. Pioche. Alors, nous avons. Le guerrier au trident.
Il y a un Yotri, non, ouais. Lorsque c'est qu'un Yotri, un monstre de mieux. Issue activa seulement quand t'as 4 compteurs. Activa en relation à compteur. Bah, j'en ai. Alors, je vais poser ma carte magique, une carte magique au piège. Et j'invoque Gariotri. Gariotri dans. En mode attaque. J'ai pas de monstre de niveau 3 depuis. Ah, de niveau 3. Je n'ai pas de monstre au niveau 3. Alors les 4 que j'ai dans mon kayak, c'est de la dub. C'est de la merde en boîte. J'active, j'utilise un de mes compteurs vitesse et j'active la carte magie. Traînez-vous. Traînez l'argent. Mon monstre va gagner 1000 points d'attaque. 1000 points d'attaque. Mais non, il a gagné 1200 là. Ah non, oui. Non. Il a 1000. Mais merde. Oh le con, j'ai mal lu. Oh le con, il sait pas lire. J'ai cru qu'il avait mis 100 points d'attaque, mais non, il en avait mis 2800. Oh là là, le pénis humain. Bon, ce deck n'a aucune synergie. Je pense que vous l'avez compris. Donc du coup, il n'y a aucune... Ah ouais, coup de marteau, direct, on vous emmerde. Ah mon monstre. Ma femme, fils de pute. Il a pas de monstre. Il a pas de monstre. Oh mon dieu, mais tu es un... Pioche. Je vais pas aller loin avec ce que j'ai là. J'ai un œuf du classique miraculeux. Ok. Je connais pas le deck, hein, je l'ai jamais vu de ma vie. Je découvre le deck. Bravo. Bon. C'est... Alors en attendant, où est le jeu? Mon vrai jeu, le jeu que j'ai en vrai. J'ai un... Voilà, vous entendez du bruit. Je cherche le jeu en fait. Nah. Nah. À tout à l'heure. Ah, je regarde pas, hein. Il a vingué un dragon chimique. Ah, il est là le jeu. Ah oui, je vais faire le même deck que j'ai. Je suis pas débilos, hein, quand même. Bon, j'ai retrouvé le monde des jeux. Bon, allez, sa chimère va faire quoi? Ouf, alors c'est un monstre 5-3. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Niveau 8? Non. Si, le dragon... Le dragon chimique. Ah, le dragon fils de pute. Ah, je suis mort. Il peut activer une fois par tour, il peut sacrifier une de ses cartes. Ah bah écoute. Le petit humain a dit. Emmanuel a dué, toi tu me plais bien sûr, tu clèves bâtard. Que j'ai fissure. T'as crevé. Chimère. Chimère, bien sûr, oui. Bon, la carte qu'il a perdu, je crois que c'est chimère, de ferraille. Ah, oh, j'ai eu un rat. Du Lura géant. Bon, normalement je me casse un peu les coucouilles. Ouais, il gagne 2000 points de défense et des rage de ferraille plutôt. J'active ma carte magique de vitesse, fissure, en sacrifiant 4 de mes compteurs pour monstre détruit. Ah non, pas. Non. Apprends à lire, bordel. Merde. Ah zut alors. Il a invoqué la chimère de ferraille. Bon. Donc oui, non, ça c'est si vous avez deux compteurs en plus, voilà, là c'est vous avez deux compteurs en plus, donc tu fermes ta grande gueule. Alors je peux, j'ai quoi, j'ai 4-5 compteurs, je lui inflige 800 points de vie, waouh. Impressionnant. Bon, tant qu'on y est là, je vais regarder le deck synchro, pas le deck synchro que j'avais, mais le deck, mon deck duel turbo, sauf s'il avait jamais été modifié, même dans ma partie, non je l'ai modifié. Mais je sais pas, j'ai relancé une partie. Non, quand tu relances une partie, c'est toujours le même truc. Allah. Ah, il sacrifie, il envoie le golem de ferraille. Putain, je vais me faire victimiser au lol. Oh là là, je suis mort. Deck de pute. Ah ouais, j'ai aucun deck, moi. Le deck n'a jamais été modifié. Et le mec a toute la chatte du monde. Ah géant. Putain, mais ce deck tu l'as tout zizi. Merde, il est en mode attaque, saleté. Mais il pue la merde ce deck. Ah mais il sent le zizi, hein, tout ce que tu veux.
peux rien faire, mais ce deck n'a jamais démodifié, il pue la merde. Regarde, le mec, bah j'ai perdu, hein. Bon, ah ouais, bah... Alors là, c'est mort, mais tellement mort que ça en vient... Ça en vient tellement beau, quoi, en fait. Voilà, je concède, ça sert à rien, le deck pue. Pue, c'est mort. Là, c'est... C'est la vérité totale. Alors... Alors, pour cet épisode, nous allons reconstruire... Oui, j'avais mon propre deck. Ah bah voilà, putain. En plus, un bon deck. Alors, on va le modifier après. Ouais, j'ai concédé, ça ne sert strictement à rien de jouer avec ce deck qui pue la merde. Attends, le circuit vient de se répondre. C'est dans ton imagination, peut-être que tu deviens fou. Le circuit n'apparaîtra pas pour un moment. C'est pour ça qu'on prépare le robot de duel. Le robot de duel. Alors je vous avoue que... Alors c'était comment? C'est ça le duel turbo? Toulou, c'était ta première victoire, tu n'as jamais gagné contre moi. Ah! Ah bah! Forcément! Pourquoi tu dis ça? Laisse-moi apprécier ma victoire. T'as pas gagné, j'ai concédé. Bon, d'une certaine façon, oui, tu as gagné. Certaines façons, je peux l'admettre, j'ai concédé. Il ne faut pas prendre la grosse tête. Ah ah. Hey, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi je lui donne une voix de teubé? C'est mon parcours, vous ne pouvez pas l'utiliser sans autorisation. Qui es-tu? Et cette route est publique. Ah ouais, il n'y a pas de sens interdit. Je connais ce type, Bréo. Ah, on dirait que cette jolie demoiselle me connaît. C'est parce que j'ai beaucoup de fans, je suis une célébrité après tout. T'es un gros poisson dans un petit bassin et tu ne réalises pas que tu te crées ton propre personnage. Eh, ne pousse pas à bout, j'ai beau être un gentilhomme, je ne peux pas me laisser passer ça. On va faire une course, et si un seul de vous peut me battre, vous pourrez utiliser ce parcours. Je viens juste de dire que c'était une route publique. Enfin, peu importe, t'es d'accord. Hugo, on compte sur toi. Hugo, il est parti, hein. Hugo, il est pas là. Hein. Hugo, il n'y a pas de deck. Hugo, il n'y a pas que duel turbo. Ah, vous ajoutez un CPU, duel turbo, duel game. Un deck, d'un. Ah oui. Ah, arrêtez, ça ne s'arrête plus. Et un nouveau pack. Yeah, okay. Bon, on va faire... Ah, déjà, on va passer... Je pense qu'on va bientôt s'arrêter là. Dis tout de suite. Alors, ce deck, il pue la daube. Il pue la... Non, j'ai plus... Non. Alors, déjà, pourquoi il y a 3 sur une naturelle, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc déjà, j'ai pas une chance de ouf, hein, faut le dire. Avant la vérité à tout le monde, je n'ai pas eu une main qui donnait envie de faire la Moomba, voilà. Le plus, j'ai mal lu les cartes, donc en plus de ça... Et en plus, j'ai... Oh, d'accord, j'ai ça. Bon, ah bah on va l'effacer, ce deck de chiasse, non. Ah, moi, je le garde pas, il pue la merde... Ça, t'aurais peut-être pensé à un retournement de situation. À un retournement de situation, tu te fous de ma gueule. Je crois vraiment que j'aurais pu retourner la situation avec un deck pareil. Laisse tomber. Le mec avait deux monstres surpuissants sur son jeu. Bon, alors, le deck. On va faire les monstres. Alors, oui, je reprends le même deck que j'ai. Le même deck que Duel Synchro, oui, bah, ouais. Dans certains sens. Bon, écoutez, il est pas optimal, il pue la merde à des kilomètres, mais respectez-moi, voilà. Alors, voilà, là, je vous montre, là, par exemple, je vais vous montrer comment je fais mon deck. Alors, il me faut... Oui, c'est très très long, je suis d'accord avec vous. Bon, écoutez, c'est tellement long que j'en ai tellement marre. Donc, voilà, alors là, tu vois, dans ce jeu... C'est la mort, quoi. Si tu viens créer un deck. Et non, ce ne sera pas un deck 5, un deck Badilator, tout simplement parce que. Ah, attends, le mec connaît pas son alphabet. Ah là là, mais c'est terrible. Je ne connais pas mon alphabet, je ne suis jamais allé en CP. Alors. Le truc là, les cartes. Attends, je l'ai passé, non, je l'ai passé. Le fait que les cartes de magie de 5 vitesses existent, en fait. Bah ça fait que tu peux pas jouer toutes les stratégies au monde en fait. Toutes les cartes magiques n'existent pas en fait. Alors toutes les cartes magiques là déjà d'une sont en marque magie. Donc dès que ça va être magique. Alors il est où? Il est où? Il est où?
Ah, il est là. Déjà, j'ai le choix entre deux. Alors, il me faut un crâne invoqué. Il me faut. Eh, mais c'est même pas dans l'ordre alphabétique. Oh là là. Mort en poule, mon gars. Je suis tellement. Ah ouais, mais les mecs me mettent pas en alphabet. Mais. Sa mère. Ah bah voilà. Pff, oh là là, mais qui est débilos. Mais non. Mais non. Parole alphabétique, s'il te plaît. Ah bah voilà. Nique ta mère, voilà. Bon, voilà, nique ta mère, monsieur Super Canin, tu fais de la daube. Voilà, là t'as fait deux. Alors, d'abord, on met deux à plein gaz. Oui, parce que pendant la standing phase de chaque joueur, votre compteur vitesse manque de 1. On est bien d'en avoir deux. Ensuite, accélération démoniaque. Voilà, accueillir uniquement quand vous recevez des dégâts. Placez un compteur vitesse pour chaque tour. Voilà. Comment ça, j'ai pas de race? Mais non, je n'ai pas de race, sachez-le. Alors maintenant, il faut bip bip. Oui, il y a bip bip dans le jeu. Hein. Il y a bip bip. Et le truc s'appelle bip bip. Hein. Moi, j'ai rentré. Hein. C'est un monstre en plus que Yusei utilise. Hein. Donc j'ai. C'est un deck complètement piqué à Yusei en fait. Alors vous voyez que c'est ultra long, hein, parce que il y a 20 000 cartes dans le jeu. Alors là, on est les bêtes d'électrique. On est les bêtes. Elle est les bébêtes. Allez la bibi. Bibi, alors cette carte ne peut pas être détruite par un monstre de plus de 1900 points d'attaque. Donc, du coup, si je me fais baiser, c'est ce qui va arriver. Donc la casserole de réglage. Alors c'est le deck que j'ai créé moi-même. Hein. Ça, j'ai pas regardé de solution ou rien. Hein. En même temps, y a personne qui joue qui fait des duels turbo. Hein. Je vois mal des mecs faire ça dans la rue. Hey mec, aussi on se faisait un duel turbo. Mais il faut une moto, bah c'est pas de problème, jouons ça sur la sur mon scooter. Faisons ça sur mon scooter. Alors le cyber dragon. Ah ouais, un cyber dragon, tu l'as dans ta main, t'es heureux. Hein. Alors je sais pas si ce. En tout cas, attends, j'ai pas un pourcentage de victoire dans ce deck. Ah, c'est moi qui me l'ai construit hein, ce deck. Hein. C'est plus la merde, hein. c'est super canin. Comment dire déjà. C'est super canin tout ça. C'est super canin en route tout ça. Comment dire. J'ai plus le qu'est-ce qu'on doit dire dans ce genre de situation. Alors deux cyber dragons, merci patron. Dente de lion. Oui alors ce deck pue la mer, je suis d'accord, mais respectez-moi. Le dragon cruel. Oui ce deck va sans doute puer la merde à des kilomètres. Mais j'assume pleinement. Et c'est ça qu'on aime. Alors dragon cruel, on l'avait déjà vu en action hein, cette carte. Alors dragon cruel. Dragon cruel. Mais tout ceci est cruel. Oui, je suis en ma gueule, ok. Le guerrier de célérité. Il m'en faut deux. C'est terrible. Bon écoute, c'est tellement terrible que. On va passer. Fenrir, hein, ouais. Ah, les mecs de chez Yu-Gi-Oh, hein, ils ont de l'inspi jusqu'au bout des pieds. Hein. Les mecs, je sais pas. Vous voyez, là, il y a 10 000 cartes, hein, Yu-Gi-Oh, déjà. Bon, il y en a plus de 10 000, hein, officiellement. On va regarder après, mais. Ah, il est où le guerrier de célérité? Bah, il est avec tous les guerriers, c'est-à-dire au fond. Alors, guerrier au CPP, le guerrier trident, le guerrier de célérité. Donc, c'est. Après guerrier de l'Atlantique, guerrier de pierre, guerrier de rapidité, guerrier de sauvetage, ouais. guerrier de l'intervention, guerrier de célérité, il est où ce bâtard? Ce bâtard! Voilà. Hérisson à boulon. Deux hérissons à boulon. Bien petit bâtard. Et en plus c'est pas fini hein, parce qu'après il y a les cartes. Il y a les cartes synchro. Hein. Le hérisson hein, de hérisson de la néocloche de fusion. Hein. Putain, un hérisson de le hérisson de permacrac. Les hérissons ils sont pas bien. Un hors la loi, deux hors la loi synchronique. Ton deck il pue la merde. Je sais qu'il pue la merde. Respectez-moi un peu dans ma vie de merde. Bon, il n'y aura pas d'ouverture. Hein. Là, on va finir le deck. Allez. Ah, maintenant c'est les magies. Oh la magie. Alors, la magie. Magie. Ta gueule. Là, ferme bien ta putain de grande gueule de fils de pute, de tout ce que tu veux. Alors, les magies sont là. Allez. Ah bah écoute. Voilà, là c'est toutes les cartes magiques du monde. Bon.
Ça va, hein, ça va plus rapidement pour les trouver. Alors, la première carte analogique qu'il nous faut, ça s'appelle contrôle cérébral. Voilà, il m'en faut combien? Une. Destruction. Dernière volonté, ouais. Donc vous voyez les cartes, il m'en faut une. Une. Magie, double invocation, il m'en faut deux. Double invocation, ouais. Magie de vitesse, fissure. Fissure, une fissure, prends pas con. Alors, magie de vitesse, lance interdite. Pourquoi j'ai pas aucun exemplaire de cette carte? Je sais rien. Attends, j'ai toutes les cartes du monde. Eh, il va c'est la lance. Ah mais il sait pas lire. Ah mais il y est pas. Eh. Ah bah ok. Bon. Bon bah y a pas. Eh le code là. Je suis censé avoir toutes les cartes du monde. Bon. Putain merde d'or. Oh oui. Active lance interdite. Ouais, je l'ai pas. Ah non, il y est pas. Bon, tant pis, on passe. Le livre de la lune. Oh, je l'ai vu. Le livre de la lune. Un exemplaire pour le monsieur. Magie de vitesse, réglage. Y'a pas. Y'a pas. Oh. Crotte de poule en maillot de bain. Fais chier. Ah, c'est plutôt la mort. Ça, c'est la mort plutôt. La mort là. Bon, c'est pas grave. Magie renfort de l'armée. Ah là là. Ah bah c'est tellement la mort en poule parce qu'il y est pas non plus. Ah, c'est la mort en poule. Ah là là, il m'a manqué 4 cartes. C'est tellement c'est terrible. Spectre machin lié. De puissance non plus. Ah là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah là, on est mort, hein. Ils font des sauces mystiques. Ah non non, mais c'est terrible. Moissonneur d'esprit. Est-ce que j'ai un... Non, j'ai pas de carte. Ah là là, c'est terrible, il va me manquer une carte. Qu'est-ce que je lui fais? Pas de panique, pas de panique. Il va me manquer une carte, putain. Ouais, je vais arriver à 39. Bon, il est où le maçonneur d'esprit? Ah, en même temps, attends. C'est vrai que je pouvais faire ça dès le début, en fait. Alors, maçonneur d'esprit, il m'en faut un. Nitro synchronique. C'est terrible. Ah, je mettrai une prison dimensionnelle. Apparemment, j'en ai pas. Je mettrai une prison dimensionnelle du pif. Oh, nitro synchronique. Oui, alors ce deck il pue la daube à la kilomètre. Je suis d'accord avec lui. Mais c'est mon deck. Donc c'est moi qui décide. Alors nitro, hein, N, voilà. Patron, ensuite, perceuse synchronique. Terrible, il me manque des cartes. Bon, vous inquiétez pas, les cartes comme ça sont très faciles à avoir. Les cartes magiques de machin technique t'es mort là sont faciles à avoir. Alors perso synchronique. P comme PD, voilà. Très beau, hein, très très belle, hein. Voilà, tout de suite. Tout de suite votre feuille. Alors perceuse, PER. Merci de connaître ton alphabet, Kona, merci. Prison dimensionnelle. Ah bah écoute, on en a empiffé deux de prison dimensionnelle. Tu vois, j'avais bien piffé à l'époque. Bravo, ça du passé. T'es toujours aussi con, mais un petit point d'avant. Pomme d'or, voilà, la pomme d'or, la révérence, bonjour. Ah, preuve de l'impuissance. Oh là là. Ah mais voilà, tout de suite, hein, on fait preuve de prison. Alors il m'en faut deux, voilà, hop, on en met deux pour être sûr d'avoir tout le paquet. Alors, Térosaure bouclier. J'ai les cartes, moi, je te dis. Térosaure. C'est après. Un pterodactyle bouclier, c'est ça que je vais. Et c'est ça que je...
Voilà, on est à 30. Rao, roi du tonnerre. Rei-O, roi du tonnerre. Tu vois, j'étais très intelligent à l'époque, déjà. Rei-O. Ah, mais lequel? Ah, merde, il y a du jeu Rei. Mais il est pas. Où est mon Rei-O? Ah, mais c'est terrible. Il est où le Rei-O? Ah, il est là. D'accord. Il n'en faut qu'un. Robot en avant. Je crois que c'est pas ce nom là en vrai. C'est plus là ce nom. C'est plus ce nom là. Le robot en avant. Je crois que c'est guerrier, je sais plus quoi. Robot en avant. C'est quoi ce nom pute là? Alors il y a robot en avant et robot synchronique que je dois avoir en deux exemplaires. Alors robot en avant. Oui, robot en avant. Avec les robots connards. Ah, putain d'affalé. On est déjà à 30 minutes de vidéo. Ouais, bah on a bientôt fini. Voilà, robot en avant, il est là. Et robot synchronique. Ouais, bah on va éviter. Ouais, robot synchronique, il m'en faut deux. Il me faut une route synchronique. Ce deck, il pue tellement les merdes. Il est tellement de me faire laver. Je veux dire, ouais, ouais, bah en fait, le deck, il. C'est pas ma faute, hein, c'est le deck. Alors, les cartes pièces, synchronisation d'urgence. J'adore la petite musique d'ambiance quoi, pendant que tu fais ton deck. Bah, ça te rend pas du tout fou quoi. Putain, ferme ta putain de gueule. Y, on y croit, j'y crois, moi j'y crois, je crois en toi Billy. Je crois en toi Billy. Le Y mon gars, SY, SY, SY. Oh, ah, ah, voilà. Symbole du vent, synchronisation d'urgence, il m'en faut une seule. Trêve solide. Solide. Allez, solide. La très 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 solide. Oh, on a trouvé un titan. Arrête de te faire putain. Ne te fais pas perturber par les cartes de merde qu'on n'a pas besoin. Alors, allez où trêve. Trêve solide. Trap, trap, trap. Trêve solide. Il m'en faut une. Et ensuite, il faut turbo fusée. Turbo. Eh, le turbo. Tulip. P turbo fusée, il m'en faut une seule. Je crois que c'est fait. Ah non, turbo synchronique, la dernière. Elle est là. Ensuite, bon. Maintenant que ça c'est fait. Les cartes synchro. Alors pour ça, je vais être gentil avec vous. Hein. Voilà. Alors il me faut l'ancien dragon féerique. La carte de. Je sais plus comment ça s'appelle. Loi et comment il s'appelle, comment ça s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, la sœur de Loi. Je sais plus du tout comment elle s'appelle. Ah, il me faut Brogniac, dragon de la barrière de glace. Ah ouais, mais il me manque une carte. Ah merde, mais quel débilos, il me manque une carte Brogniac. Bon, vous inquiétez pas, le dragon de ferraille. Bon, c'est un dragon, mais c'est pas un des 5 dragons machin. Hein. Un des 5 dragons de Témor. Alors le dragon de ferraille, il y a le dragon ferraille atomique, c'est sans doute pour ça. Le dragon poussière d'étoile. Non, pas étoile filante, dragon juste étoile. Dragon et poussière d'étoile. Poussière d'étoile, voilà. Non, dragon rose noir, je pense qu'il est aussi. Oui, non, peut-être. Il n'y a pas le dragon rose noir. Non, j'ai mis le dragon arc démon, par contre. Donc le gardien Goyo. Le gardien Goyo. Le guerrier cicatrice. Le guerrier cicatrice. Ouais, je dis pas les effets. Hein. Guerrier fourreur. Le guerrier foudroyant. Le guerrier nitro. Le guerrier turbo. Larve. J'ai pas pris robot guerrier. Non, c'est robot guerrier, justement. Larve de brume. Robot archer. Ah, il me manque une carte. Zut alors. Le robot de la dévastation. Oui, je l'ai pris aussi. Robot guerrier. Ah non, pas robot garnac. Robot garnac qui est une carte qui est apparue seulement dans le film, justement. Et c'est tout. Bon, bah, il manque une carte. C'est plutôt emmerdant. Oh merde, je dois la mettre. Attends, j'avais 43 cartes dans le deck là. C'est plutôt merdant.
Ah mais non, il y a deux typhons d'espace mystique. Oh là là, mais quel enfant. Je n'ai qu'un enfant, Billy. Alors il me faut deux typhons d'espace mystique. Je crois que j'en ai plus qu'un seul. Voilà. Oh là 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 là. Ah là, il sait pas lire. Je crois que j'en ai pris qu'un seul, le typhon d'espace mystique. Ah non, j'en ai pris deux. Ah bah non. Bah tu vois alors. Non, il me manque une carte, c'est plutôt emmerdant. Je dois l'avouer, c'est plutôt emmerdant. Alors j'ai oublié. Sérieusement, il me manque une carte du coup. Du coup, voilà, je vais pas faire le truc avec une seule carte. Bon, regardons tout ça. Barre d'alphabétique, il y a plein de gaz, mais bon. On va vérifier. Bip bip, casserole, crâne. Deux cyberdragons, un dent de lion, un dragon cruel, deux guerriers de la sérité, deux hérissons à boulon. Dans la loi, vas-y. C'est bon. Double invocation. Ouais, on est bon. Ouais, il me manque lance interdite. Lance interdite, réglage. Ouais, il y a deux réglages. Ah oui. Et renfort de l'armée. Renfort de l'armée, je l'ai pas. Renfort de l'armée, escalier. Non, je crois pas. Bon. T'emmerdant, hein, faut le dire. Bon, on va prendre traîner d'argent. Voilà. Bon, on va faire la course et après on va finir. Voilà. Parce que c'est un beau planning. Voilà, j'ai mon deck. Bon, il est pas fait à 100%. Il manque encore deux, en tout cas, trois quarts. Pour que le jeu soit bon. Bon, on va parler à Billy. Billy qui nous a mal parlé. Billy qui va s'en prendre une, Billy. S'appelle pas Billy, s'appelle, je sais plus comment. Dross. Merde, je sais plus son nom. Si, c'est la sœur de Lua. Lua et Rua, non? Rua, non, c'est son nom. C'est son nom, Jap. Luca, voilà. C'est Luca. Ça va pas trop vite. Ouais, j'ai une moto qui va à 2 à l'heure. Ouais, mais une fois qu'on l'aura modifié. Une fois qu'on l'aura modifié, ça sera beaucoup mieux, mon ami. Alors, regardez la maniabilité de cet infâme truc de chiasse. Et voilà, on prend pas le turbo. Ça c'est beau. Une carte. Et on passe à côté parce que la maniabilité c'est pas ça. Ah, c'est une maniabilité qui me donne envie. Les ténèbres. Bon, j'ai compris, j'aurais dû modifier le truc. Je ne l'ai pas fait. Alors les portes que vous voyez là, si je les détruis, j'obtiens une carte. Bon, il faut modifier la duel moto. La duel moto là va à 2 à l'heure. Bon, et le pilote n'est pas aussi bon, donc du coup ça aide pas. Ouais, la duel moto, ouais. Elle a deux tensions. Hein. Bon, je modifierai la duel moto hein, avec les pièces. De l'argent. Oui, parce que aussi sur les routes, obtient des boules de l'argent. Une carte, putain, je tourne. Moto de merde. Voilà, on a eu une carte. Dangereux hein, mon gars. Alors le paquet qu'on a obtenu, je crois que c'est justement un truc pour avoir des cartes turbo. Ah bah on a perdu. Voilà. T'inquiète, de toute façon j'ai gagné, alors on veut sa revanche. Deux secondes Billy. Je reviens une fois que j'aurai une fois que j'aurai modifié ma duel moto. Tu fais un peu altro. Ah oui, il y a la carte du truc. Magique et magiquement. Bon. Ok. Billy s'est foutu de notre gueule, donc Billy va s'en prendre une. Alors déjà d'une, je vais ouvrir des paquets en off. Déjà sachez-le. Bon. Ouais, meilleure maniabilité. Là, on peut pas garder changer, pas non plus. Ah ouais, mais la moto, elle pue la merde. Ah oui. D'accord. On va le lire tout de suite. Ah ouais, mais alors quand vous voyez que les roues, la truc est comme ça, ça veut dire que le truc ne supporte pas.
C'est quoi c'est quel... Mais ah oui, mais non, en fait la c'est pas compatible. Ah là là. Ce n'est pas compatible. En gros, le moteur et le processeur ne comprennent pas l'élément de la moto. C'est de la merde, c'est de la merde en boîte, voilà. Donc on va modifier cette moto de chiasse en faisant des trucs en faisant de la rotation de cartes. Il me semble que le paquet est un paquet, oui, c'est un paquet de l'accélération, donc c'est que des cartes magiques, donc j'en ouvre plein en espérant que j'ai que j'obtiens. Oui, double invocation. Non, c'est pas double invocation que je veux. Bon, vous l'avez vu, un renfort de l'armée. Oui, le renfort de l'armée, la carte qu'il me fallait. Alors les cartes, voilà, je les lis pas pour une fois. Si vous voulez les lire, vous mettez en x025. Ah, feu de l'amour, là. Feu de l'amour. Feu en flamboyant, ça s'inscrit. J'ai 1000 points de vie, tu te fais juste 550 points de vie. Bouclier émissaire. Corps ténébreux. Action de pioche, on l'a vu. Poupée d'appât. Par contre, réglage, ouais, c'est dans le deuxième. C'est dans la deuxième extension. Oui, parce qu'il y a une deuxième extension. C'est chiant. Ouais, parce que comme tu peux pas faire fusionner des monstres, c'est cette carte qui fait office de polymérisation. Bon, écoutez, l'épisode se fait trop long. Maintenant, on va ouvrir tous les paquets d'un coup, voilà. Alors voyons voir ce qu'on a eu. Ah, on a du défusion, on a eu variation, le chi de carte. Le livre de la lune, non c'est bon, c'est pas ça qu'il me fallait. C'est quoi qu'il me fallait déjà? Je ne sais plus. C'était réglage. Et lance interdite. Ouais bah non, on l'a pas eu. Par contre on a eu renfort de l'armée et ça c'est beau. Ça on va pouvoir le mettre dans le deck. Alors attendez. Eh Billy Roger. Voilà. Hop. Hop. Renfort de l'armée. Déconne pas, je l'ai eu. Elle est là. Ouais, il manquait bien des cartes. Du coup, la carte qu'on avait rajoutée, c'était quoi déjà? C'était quoi la carte qu'on avait que j'avais rajoutée? Je sais plus, bravo. Je sais plus ce que j'avais rajouté comme carte. Ah, j'avais rajouté... training machin. Voilà. Toi, tu vas là-bas. Voilà! Carte en moins, plus. Il est heureux. Voilà! Donc les gens, on va s'arrêter là pour cet épisode de... cet énorme épisode de 11 de Yu-Gi-Oh! 5D, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve bientôt pour l'épisode 12 où j'aurai... je peux pas modifier le truc en fait, le truc de base est plus la merde. Faut que je fasse des trucs pour que le truc soit meilleur. Le truc soit meilleur, tu vois, la nouvelle moto soit meilleure. Je sais pas si c'est un truc, un rapport avec le châtiment. Enfin bref, voilà, voilà ce qu'on va faire, on va finir cette course, et puis j'irai voir en off si on vend pas des pièces dans l'autre magasin qu'on avait dans la rue. Voilà, c'était Super Arcana, à vous les studios.